Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, nous allons parler sur le cancer tété. Qui ça cancer? Cancer, c'est lorsque vous avez une cellule qui a multiplié de façon anormale dans le corps. Donc, le corps a perdu le contrôle de la cellule. On y a lui-même, la continue à multiplier, la grossir. Si sa situation arrive dans le tété, il va produire une maladie que nous allons appeler cancer tété. Maintenant, qui facteur de risque qui est capable de faire le monde développer cancer tété? Facteur de risque en pile, il y a un facteur hormonal, il y a une femme qui fait le monde trop tard, il y a une femme qui agit, une femme qui ménopause, qui peut-être fait le monde ou bien qui pas fait le monde. Il y a une cause hormonale. Donc, le plus souvent, puisque nous disons que c'est la femme qui agit, donc nous incriminons une hormone qui est l'œstrogène, qui le plus souvent bail cancer la caille femme. Mais maintenant, qui ça une femme capable de faire pour le connaître si elle a un cancer tété? Femme ça elle-même elle est capable de faire ça dans les autopalpations. Qui si un symptôme, femme va chercher à réaliser ça dans les autopalpations. Femme va regarder est-ce que elle a un petit boule dans tété. Est-ce que elle a une douleur dans tété ou bien elle n'a pas de douleur tout. Est-ce que point tété à rentrer, ça nous est inversion et du mamelon. Est-ce que pour tété femme, comment c'est bien tété? Ça nous est fondorange. Mais maintenant, comment une femme capable de réaliser auto-palpation? Auto-palpation, une femme n'a plus venu, mais en l'air, elle a commencé à palper en bas de celle. Dès qu'elle commence à palper en bas de celle, elle a descendu pour aller dans le tété. Elle a commencé à palper avec trois bêtes, index, majeur, annulaire. Et le cabin supérieur externe de TTA commence à masser, tout autour de TTA jusqu'à ce qu'il finisse masser tout TTA. Il est capable de tout faire en palpation au niveau du sein pour regarder est-ce que TTA n'est pas gagné. Donc, pendant tout, il va faire ça, une certaine observation de TTA et puis il va faire un concept, une comparaison entre deux TTA. Donc, il va comparer deux TTO, comparer couleur, est-ce que il y a un changement de couleur, est-ce que il y a une TTO qui est plus gros que l'autre. Donc, si femme ça lui-même, il rend compte, il y a un petit boule dans la TTO qui commence à grossir à travers l'âge, donc femme ça a besoin d'aller car le docteur pour faire reste investigation. Mais maintenant, si le docteur lui-même il commence à faire examen clinique, il fait examen par la clinique, la jeune femme il réalise un solo ou bien la personne qui a agi, il réalise une mammographie. Et examen clinique avec examen par la clinique conclut pour dire que la femme ça lui-même il a un cancer dans la tête. Donc à ce moment-là, il va faire une prise en charge. La prise en charge dépend du stade cancer. Peut-être qu'il est capable de faire une chirurgie, c'est-à-dire qu'il fait opération de retirer le boule sa tété, parce que ça est capable de vivre son cancer bénin, comme ça tout le monde, son cancer malin, c'est-à-dire de commencer à envahir l'autre et organe du corps. Donc, comme ça tout est capable de faire la biothérapie, il est capable de faire la chimiothérapie. Donc, ça va dépendre de l'étape, de stade cancer dans le tété. Donc, jeudi, nous apprenons pour comme jeune femme, pour faire auto-palpation du sein, pour que vous connaissez est-ce que vous avez un petit boule dans le tété. Si vous avez un petit boule dans le tété, qui ça, ça veut dire? Est-ce que c'est un cancer béni du sein ou bien est-ce que c'est un cancer banni? Donc, dès que vous commencez à faire auto-palpation, vous avez un malade anormal dans le tété. Tété a changé de couleur, un petit boule dans le tété, une nan sein ou plus gros que l'autre, mais c'est important pour que vous ayez un médecin.